Cette fois, ce sont près de 1400 immigrants qui sont arrivés en Italie à bord du San Giusto, un navire de la marine italienne. Ils font partie des plus de 2500 personnes interceptées ce week-end dans le cadre de l'opération Mare Nostrum. Au cours de cette traversée des côtes de l'Afrique du Nord vers l'Europe, deux personnes avaient perdu la vie. Leur corps avait été récupéré par la marine italienne. Cet afflux de migrants n'est pas étranger à la situation extrêmement chaotique en Libye. Et le problème est européen. En France, la police aux frontières constate un flux important de clandestins, en particulier des Érythréens.